Bonjour à tous. Merci, Paul. Merci, Marc, pour cette introduction. Et merci à chacun de vous pour le travail exceptionnel que vous faites en représentant les gens de Sudbury et de Nickel Belt. Je sais à quel point c'est important pour vous que les gens de la classe moyenne aient accès à des bons emplois solides. Alors, c'est encore plus merveilleux de vous avoir parmi nous aujourd'hui ici. It's great to be here today with Premier Ford, Doug. It's always so good to see you again. We also have Sudbury Mayor Brian Bigger and Timmins Mayor George Peary. And I'd like to take a moment to thank Chief Boissonneau for his welcome and Chief Ray for joining us and IAMGOLD CEO Gord Stothart for welcoming us this morning. Before we begin, I'd like to recognize that today marks 19 years since the horrific terrorist attacks on September 11th, 2001. Today, we remember the people we lost in this unthinkable tragedy. They were neighbors, friends, and family. As we pay tribute to their lives, let's also remember the bravery and the sacrifice of all the first responders who arrived on the scene and rushed into buildings as others were fleeing. À l'occasion de la Journée nationale de service du Canada, nous rendons hommage aux gens de partout au pays qui mettent leur vie en danger pour aider les autres. Au cours des derniers mois, les Canadiens ont été témoins des immenses sacrifices des femmes et des hommes qui sont aux premières lignes et qui ont travaillé jour et nuit pour assurer notre sécurité. Au nom de tous les Canadiens, merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour notre pays. It's great to be here at the groundbreaking of the Côté Gold Mine. I know this is not just big news for the people of Gogama, but also for folks in Sudbury, Timmins, and right across Northern Ontario. During construction, this project will create more than 1,000 good jobs for people in the area, as well as 450 full-time positions once it's completed. This project was made possible by international partner Sumimoto Metal and went through an environmental assessment done by Environment and Climate Change Canada. We introduced the Canadian Minerals and Metals Plan to support projects just like this one, projects that make Canada a great place to do business and create and protect good, lasting jobs for Canadians. Plus tôt cette année, je suis allé au Congrès mondial sur l'exploration et l'exploitation minière de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs à Toronto. Je me souviens d'y avoir parlé de la rapidité à laquelle se transforme l'économie mondiale et des raisons pour lesquelles le Canada doit être un chef de file dans le secteur minier afin de conserver de bons emplois dans nos communautés. Évidemment, dans les mois qui ont suivi, l'économie mondiale s'est transformée. Mais une réalité n'a pas changé, celle de l'importance des projets comme celui-ci pour les travailleurs, les familles et pour notre économie. Plus que jamais, nous aurons besoin d'une relance économique inclusive et équitable pour tout le monde. Voilà pourquoi c'est formidable de voir que les Premières Nations avoisinantes, la Première Nation de Flying Post et celle de Matagami, sont également partenaires de ce projet. C'est un exemple de plus qui montre que lorsqu'on travaille ensemble, nous pouvons créer de bons emplois pour les communautés d'un bout à l'autre du pays. There's no doubt that the last few months have been hard for a lot of businesses across the country because of COVID-19. And the virus is still a health threat around the world and here at home. So as we safely reopen our economy, it will take time for us to make up the economic ground we lost to the global pandemic. But this project shows how our economy is getting back on its feet. International investors know that Canada is a good place to do business. Even as we face tough economic times around the world, global investors have confidence in Canadians. Right now, we have an opportunity to build a more resilient Canada, a Canada that's healthier and safer, more inclusive and fair, a Canada that's both greener and more competitive in the global economy of the future, tackling the threat of climate change while creating good jobs for years to come.
As anyone in the mining industry already knows, we can't solve climate change without strong leadership from the natural resources sector. Just take the Borden mine, which became Canada's first all-electric mining facility. Innovations across this sector will be crucial for a green recovery and will help drive the clean transition that we need. From the nickel and cobalt that are used in batteries for electric vehicles and solar panels, the mining sector is really important in building a better future for us all. So our government stands ready to work with companies to build that more resilient, healthier country where everyone has a real and fair chance to succeed. Ce secteur a la possibilité de créer de bons emplois durables pour les Canadiens, de stimuler notre économie et de paver la voie de la relance verte. Et cela commence par des projets comme celui-ci. Nous allons continuer de travailler avec tous les ordres de gouvernement afin d'assurer un meilleur avenir pour tous les Canadiens. Merci beaucoup. Je suis maintenant très content de céder la parole au Premier ministre Ford. Doug.